Bonjour à tous. Alors ce matin, c'est pas ma tête que vous allez voir. D'ailleurs, il est 6h30 du matin et ma tête, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je voulais vous montrer ceci. Alors ceci, c'est quoi? Un petit accessoire qui ne me quitte jamais en voyage. Et vous allez voir pourquoi. Mais d'abord, je vous montre où je suis. Tout simplement dans notre salle de bain. Et pourquoi j'ai besoin de ce petit accessoire? Eh bien, en fait, c'est pour faire un thé et un petit café, un petit Ness. Regardez pas le bazar, hein, on vient de se lever. Mais surtout, je voudrais vous montrer pourquoi dans n'importe quel hôtel, j'aime bien pouvoir me faire un thé. Finalement plus agréable que de faire appel au room service, ils vont s'amener avec leur thé, avec leur bazar. Voilà. Parce que ce matin, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de quelqu'un qui finalement ne m'a plus dit « Mais Véro, tu vas être crevée si tu te lèves si tôt. » Lui, sa tête, ça va le matin. Et regardez où nous sommes. Regardez-moi ça. Nous sommes sur un balcon comme celui-là. Vous voyez un petit peu où je vous repasse dans l'autre sens. Ceux qui sont là, voilà, dans un hôtel à Luxor, dont voici les jardins, où j'étais venue pour la première fois en 1979, et là-bas, on voit pas très bien, vous apercevez l'ancienne partie de l'hôtel, qui s'appelait à l'époque Winter Palace, et aujourd'hui qu'on appelle Old Winter Palace, parce que nous, on est dans une partie un peu plus récente. Et là-bas, tout loin, au-dessus des palmiers, ben, c'est pas tout à fait la vallée des Rois, mais enfin, c'est par là. C'est par là. Vous n'arrivez pas bien à voir, mais on voit le Nil, mais c'est pas ça important. De l'autre côté, là-bas, c'est là qu'il y a la vallée des Rois, la vallée des Rêves, etc. Alors moi, je n'ai pas pu résister ce matin. Je me suis levée à 6h30 du matin pour regarder ce magnifique jardin tropical. Là, il y a une piscine, mais de nouveau, fait un peu froid. Peut-être pas l'après-midi, il faudra voir, parce qu'ici, il fait vraiment bien meilleur qu'au quai. Et voilà. Donc on est arrivé hier, très très chouette vol de 45 minutes, c'était vachement facile. Puis on a pris un taxi, évidemment le prix fort, qu'on n'avait pas envie de marchander parce qu'on avait hâte d'arriver. Voilà, je vous montre un petit peu la chambre, mais c'est pas... Bon, la chambre, évidemment, c'est une belle chambre, mais... C'est surtout cette vue. Et donc hier soir, on a mangé là. Et puis après, on est allé faire une petite promenade sur la corniche, bavarder avec les Égyptiens qui veulent tous nous vendre quelque chose, mais c'est pas normal parce qu'ils ont besoin de travailler. Et ce matin, on s'est réveillé devant cette magnifique vue, parce que hier, quand on est arrivé, le coucher de soleil, c'était dans l'avion. Bon, je vous laisse pour aujourd'hui parce que j'ai pas encore grand-chose à raconter. Mais je voulais vraiment partager ce superbe endroit avec mes amis très chers et ma famille. À bientôt !